Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Chacha38 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'Airsoft, puisque c'est une commande qui nous provient de chez Taiwan Gun. Donc Taiwan Gun, un super site pour l'Airsoft, hein, un des sites les moins chers, voire le moins cher du monde, je dirais bien. Par ailleurs, il y a beaucoup de chips dessus, donc des produits qui sont pas chers. Mais il y a aussi des produits de qualité, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque c'est un marché gris à la limite du légal, mais qui reste tout à fait légal en France. Et donc on va tout de suite ouvrir cette commande de chez Taiwan Gun. Donc vous allez voir, donc, nous avons premièrement une bouteille de gaz. Donc pourquoi, vous allez savoir tout de suite, hein, parce que j'ai tout simplement acheté un GBB. Donc ici nous avons plusieurs paquets de billes de 2000 billes, donc ici nous avons du 0,25 g. Donc ça c'est pour ma réplique, donc, qui est un G608 KV de chez Jinjong. Alors pourquoi j'ai pris plusieurs paquets de billes de 2000? Alors tout simplement parce qu'elles étaient moins chères. Je me suis rendu compte qu'en prenant plusieurs paquets de 2000, en calculant, ça revenait moins cher. Sauf pour les paquets de 0,20 g, donc les 0,20 g ça va être réservé à ma GBB, donc mon arme de poing. C'est mieux utilisable et surtout que c'est revenu moins cher de prendre 4000. Voilà, nous avons le dernier paquet de 2000. Et puis tout de suite, donc une sangle qui va venir s'attacher sur ma G608 KV, donc qui est une réplique de la G36. En version longue. Donc la sangle ici provient de chez Taiwan Gun sans marque. Puis ici nous avons un silencieux que j'ai payé 11 euros, pour la maudite somme de 11 euros. Il est en métal, vous pouvez le voir. Il est disponible bien sûr sur Taiwan Gun en promo, à la place de 14 euros, je crois, quelque chose comme ça, en couleur coyote. Donc, si vous souhaitez avoir tous mes objets de commande, vous avez tout simplement à aller sur le site Taiwan Gun, et dans la description de ma vidéo, je vous mettrai tous les liens où je les ai pris. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi j'ai commandé autant? Tout simplement parce que cette semaine chez Taiwan Gun, c'est la semaine du frais de port gratuit. À partir de 50 euros, 56 euros environ. Donc on continue avec ce chargeur pour G36 D-Boys. Donc moi il va rentrer dans ma réplique, puisque c'est les mêmes chargeurs pour les Jinjong et les D-Boys. Donc voici ce chargeur. C'est un ICAP, hein, il fait environ 470 billes il me semble. Et donc ici voilà l'offre principale de ma commande. Un GBB, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un M92F de chez STTI, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Il est à gaz. Donc ici, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, ça doit être une cible en carton, je suppose. Non, c'est juste un petit carton, ouais. Sûrement pour tirer dessus, donc voilà, shooting target, intéressant. Ça peut servir, pourquoi pas. Et donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite l'ouverture de cette GBB vite fait. Voilà, donc la boîte, ici la notice d'instruction, les pièces et les instructions, ne pas tirer sur les enfants, etc. Et donc voilà, ce STTI M92F que j'ai payé pour la maudite somme d'environ 20 euros, il me semble. Hein. Il coûtait bien 22 euros, donc il y avait deux parties. Donc si vous voulez l'essayer, il est disponible sur Taiwan Gun. C'est le premier GBB, c'est le premier prix, c'est 22 euros, il me semble. Donc voilà, pas de souci. Donc on va essayer ça dans une nouvelle vidéo. Donc voilà pour cette commande, c'était Chacha38. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et cette commande m'a coûté que 66 euros pour toutes ces affaires sur Taiwan Gun. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook. À très bientôt.